Allons-y, reparti. Triste, c'était le beau jeu. Ouais, c'est une belle game, ouais. Jaina, vraiment la pire carte vol de vie que ça te ramène est juste invraisemblable. Non, Jaina, c'est très fort, ouais. Jaina, c'est vraiment très fort. C'est le meilleur DK pour moi. Pour moi, c'est le meilleur DK. Il y en a beaucoup qui disent que c'est Hunter. Hunter, c'est assez infâme, mais c'est aléatoire. Jaina, tu la joues, t'as gagné. C'est quand même un peu plus fort, quoi. DK, après, l'avantage du. Le problème du DK Hunter, c'est qu'il coûte 6, en fait. Le problème du DK Hunter, c'est parce qu'il coûte 6 qu'il est trop fort. Il coûterait 9, il serait vraiment nul. Enfin, pas nul, mais. Enfin, non, il serait pas vraiment nul, parce qu'il serait toujours joué. Mais il serait beaucoup moins fort, quoi, tu vois. Non, je vais regarder les. On a des Nimbus 2000 et on va chercher des flammes, ça sera chouette. Dommage. Qu'est-ce que je disais? Et ouais, du coup, ouais, s'il passait à 9, tu vois, je pense que ça serait tellement, tellement plus équilibré. Pour le coup. C'est dommage de rater mon 1. Si j'avais un flamme teint ici, ça change tout le match-up. Même avec la glacière, ça aurait été bien. C'est vraiment dur de rater son 1 contre lui. On dirait qu'il a l'embarras du choix, au moins. Oh la vache. Solide. On va jouer ça du coup. Surtout je fais ça. Ouais, ça fait un peu mal, mais. Genre, je fais ça, et ensuite je fais ça, et ensuite je fais ça. Bah évidemment que t'as l'attaque avec, oui. Oui, bien entendu, ça fait plaisir. Et je vois qu'on se prive de rien. C'est bien ça. Bah mieux vaut tard que jamais en fait. Vaut mieux tard que jamais. Donc là au moins là on va pouvoir contester un petit peu son board. C'est vraiment très bien de l'avoir eu. Oh regarde Harry, un Nimbus 2000. C'est un Nimbus 2000. C'est qui lui offre à Harry le Nimbus 2000? Je me rappelle plus. Je me souviens plus. Il l'a eu dans un truc emballé là, mais je me souviens plus qui lui a offert. Intéressant. Peut-être tu fais ça, non? Non, c'est juste ça. McGonagall, Dumbledore, Sirius. Sirius? Sirius ou. Bah, faut savoir. Je pense que je prends le trade, hein. Juste parce que comme ça et. Ok. Malfoy. Malfoy? Mais non, c'est pas Malfoy, c'est impossible. McGonagall? McGonagall, non? McGonagall, on dit? McGonagall? Ok, Sirius 100%, professeur McGonagall. Ah ouais, c'est partagé, je pensais qu'on était sûr du truc, mais en fait, a priori, on sait même pas. Intéressant. Pas mal ça, en vrai on tient bien hein. En vrai vu ce qu'il joue on tient plutôt bien. Les gilets jaunes. Je viens de check c'est McGonagall. Ok. Mais pourquoi lui avoir offert McGonagall? Parce que McGonagall on la voit plus tard non? Enfin on la voit non on la voit dès le début mais je veux dire c'est vraiment dans le dernier épisode que. Qu'elle nique des mères quoi. C'est ça j'étais trop content moi de voir McGonagall enfin. Niquer des mères là, putain la vache qu'est-ce qu'elle était chiante quand elle était nulle. Quoi, était nul, a jamais été nul, tu vois. Ouais. Genre, l'épisode où. Il y a un épisode où ouais, ça sert à rien. Je vous appelle blaze. On a pas encore vu la carte qu'il a jouée de son truc, ça peut être Tarim. Du coup, je préfère jouer ça au cas où si c'est Tarim. En fait, la carte qu'il a eue sur le taunt là, c'était quoi? Ah, c'est peut-être la 1 bouclier divin qu'il a joué tout à l'heure, non? Je sais pas. En tout cas, sait-on jamais. Ah parce qu'il veut qu'elle soit attrapeur au Quidditch pour Gryffondor. Ok. Intéressant. Salut Totokill, comment ça va? Au rapport.
On va gagner, on va gagner. Selon toi, quel est le deck le plus stable pour up le ladder? Ça dépend à quel rang tu joues et à quel deck tu croises en fait. Ça dépend beaucoup de ça. Mais globalement, moi ce que je peux te recommander d'assez chouette, ce serait. Oh, s'il envoie la 2-5, c'est cool. Ouais, il envoie pas la 2-5. Incroyable. Intéressant. Du coup, je fais ça en dégâts, je pense. Va régénérer des trucs, mais c'est pas très grave parce que j'ai Corniflex. Corniflex, il rejoue quoi déjà? Il rejoue le truc qui tape 2, le Phoenix. Il rejoue le bug là qui remonte dans ma main. Non, il rejoue pas, j'ai pas joué de ça, c'est. Non, c'est la game d'avant, je crois. Intéressant. Très très intéressant, n'est-ce pas? En tous les cas, c'est ça, je pense. Et on va jouer Carniflore plus tard. On va full face ou pas? Je colle 10 quand même. Je peux pas mourir, moi. Je crois pas que je puisse mourir. Je me dis, je pense pas pouvoir mourir, donc je vais faire comme ça. On va voir, il peut faire Fongi, il peut faire des trucs. Il est obligé de trade en fait lui, parce que sinon il est mort. Alors que moi je peux me permettre, tu vois. Moi je peux me permettre de me faire plaisir. Et en plus sur ce tour je peux remonter ça. Et si j'arrive à connecter face avec lui, je peux le remonter et le remettre dans sa tête. Yes, ça me paraît être une riche idée ça. Je peux pas le faire avec Kalimos parce qu'il coûte 8. Savez Fichu, il avait l'air trop en PLS hier. Vous pensez ce que c'est qu'il apprécie Paken? Si, si, la principale que le fichu, c'est son pote. Enfin, pas que je sache en tout cas. Pas que je sache. Non, fichu, je pense pas. Hein. Non, je pense pas. Pour le coup. Je pense pas, fichu, je pense qu'il. Bah, de temps en temps, ça peut arriver à tout le monde hein, d'être un peu triste ou un peu au bout de sa vie, quoi. Enfin, quand je dis ça peut arriver à tout le monde, c'est. En mode. Oh, wow! Solid man! J'ai joué un élémentaire au tour d'avant? Ouais, ça j'ai eu peur. J'ai eu un doute. Parce que lui c'est pas un élémentaire. Yes! Allez! On a rompu la malédiction. On est à combien? On est à 8-2 je crois. Je crois qu'on est à 8-2. Allez, allez, on continue, on continue. La prochaine extension c'est le holo contre le monde entier. Ouais, c'est ça. Je suis un. Au-delà des. Au-dessus des dragons, etc. Dans le lore, il y a les dieux très anciens et tous les trucs, et il y a les titans. Donc moi je suis le titan suprême. Le titan colossal. Le titan colossal, je crois qu'ils m'ont appelé. Donc normalement, il y a une carte à mon effigie. C'est une 45-45. Avec de gros gros bras. Voilà. Et elle coûte 4, je crois. Rastakhan 8-3, perdu 2 Hunter et le mage. Ah, c'est possible que je sois 8-3. J'ai perdu 2 Hunter et mage. Ouais, 8-3, 8-3, pardon. 8-3, pardon, je me suis trompé. My bad. Regardez, Nimbus 2000. Et je vais aller chercher à. Attends, à chaque fois que je vois cette carte, je pense à Harry, quoi. Oh, regarde, Harry! C'est un Nimbus 2000! Je l'ai mis trop mal, j'avoue que je l'ai pas regardé depuis très longtemps cet épisode. Parce que je m'étais refait un petit marathon Harry Potter. Vous savez quand ils les avaient sortis sur Netflix il y a quelques mois, ils avaient sorti tous les Harry Potter sur Netflix. Je pense qu'ils y sont encore. Et je m'étais refait, mais j'avais sauté le 1 et le 2, je crois. Parce que les 1 et le 2, enfin, c'est pas qu'ils ont mal vieilli, mais c'est vrai que, en fait, pour moi, quand tu connais la suite, quand tu sais ce qui va se passer, quand t'as déjà vu, en fait, les épisodes de. D'introduction dans le monde, tu sais, genre ils t'introduisent un peu le monde, etc. Bah, c'est vrai que moi je me fais chier quoi, tu vois. Genre, moi j'ai envie de voir des gens niquer des mères, tu vois. Clairement, là, bah, l'épisode 7, je l'ai regardé plusieurs fois, les deux épisodes 7 d'ailleurs. Voilà, moi clairement, c'est ce que j'aime. Et du coup, ça me fait un peu chier les épisodes où il se passe rien quoi. Bah, il se passe rien, mais genre, ils sont en train d'introduire. C'est normal, il faut bien qu'il y ait ces épisodes là, mais tu vois, genre, ils introduisent un petit peu l'univers,
Il te plonge un peu dans le truc, etc. Ça me fait chier. Une 45-45 qui silence le board adverse avec charge. Ouais, c'est ça. C'est ça exactement. Ouais. Comment t'as su? Ça a leaké ou pas? Comment ça a leaké? Je suis sûr que ça a leaké. Incroyable, on peut plus faire confiance à personne de le jouer. Oh, il joue pas Warrior Impair! Oh lol! Ok, qu'est-ce qu'il joue? Je m'interroge. Que joue-t-il? Ah non, on va y aller. On y va, on y va, on y va. Que ça castagne désormais. Je suis obligé de jouer ça pour pouvoir faire ça au prochain tour, n'est-ce pas? Je passe tellement toute ma journée sur Arma que j'ai encore le titre qui connaît 12 wins en arène, explication. T'as raison, mec. C'est the place to be. The place to be, bien entendu. Lilou. Je vais jouer autour de Super Collider en le positionnant là et jouer autour de la baston entrée dans la 2-2, ok? Et ouais, les gars. Et ouais, les gars. Allez, on y va. Nous! Oh, ça va! Carte de baltringue, ça! Pff, pff, noob! J'ai failli avoir peur, quoi. Enfin, le viewer moyen, bien entendu, a failli avoir peur. À juste titre. Comment on fait? Ok, j'ai une idée, j'ai une idée. J'ai une idée, les gars. On fait Hero Power. Ok, faites-moi confiance. Faites-moi confiance, tout va bien se passer. Hero Power, n'est-ce pas? Là, 1-1. Ok, intéressant, choix original. Un trade là. On va remonter lui. Et on va full face. Tout droit. Tout droit, les gars. Ouh. Faut que ça conne là. Faut que ça conne. Faut lui montrer. Faut lui montrer c'est qui le mal alpha dans la partie. Faut lui montrer. Faut le dominer. Faut dominer notre adversaire. Comme ça, il va avoir peur et il va faire des plays non optimaux. Non optimal. Non optimaux. Non optimal. Des plays. Des plays, c'est quoi ça? Ouais, peu importe. Voilà, en tout cas. Ok. En tout cas, on maîtrise bien le français, ça c'est ce qui est important. Sur ce stream, on peut aussi également avoir éventuellement quelques petites leçons de français si jamais vous avez des doutes ou que vous vous posez vous-même des questions. Sachez que je suis là pour vous éclairer. Un chacal, des chacals, des chacos. Bah dis donc, c'est fort ça. Dis donc. Pas de panique, macho. Pas de panique. Qu'est-ce qu'on fait? J'avoue hésiter. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien aussi ou pas? Ça peut me donner masse 1-1. Ou alors ça peut... Ou alors ça peut faire quoi déjà? Ou alors ça peut taper 3 partout et après je trade. Mais après je vais faire shield slam. Ça m'arrange pas ça, shield slam. Sinon je fais ça. Ok, j'ai une idée, j'ai une idée. Ok, j'ai une idée les gars. Et venez, 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 venez. Venez, on fait comme ça. Ok, pas de panique. On fait comme ça. Ensuite, on tape 6. Comme ça, il peut pas shield slam. Après, j'ai joué un shield slam. Est-ce qu'on joue autour du deuxième shield slam? Je ne sais pas. Oh merde! Oh, qu'est-ce que c'est puissant ça! Oh! What? Ouh, sexy! Nimbus 2000? Allez, Nimbus 2000. Travail terminé. Lilala. C'est chaud hein, comme game pour le coup. Est-ce qu'avec la rotation, tu comptes inventer d'autres decks tier 1 comme tu as pu le faire pour les autres méta? Bah, tout à fait, bien entendu. Bien entendu, je pense que si je ne me mets pas, si je commence pas à me mettre à inventer les meilleurs decks du jeu à la nouvelle méta, qui le fera? Vous pouvez me répondre, personne. Personne finalement. Personne, enfin, vous me dites si je me trompe, mais je pense que personne en France ou dans le monde en tout cas n'a un niveau suffisant pour pouvoir créer des choses comme moi je peux le faire. On va faire à la Gatachi, je pense. Waouh!
Souillez les eaux, défendez. Merde, elle dit quoi? Attends. Attends, elle dit quoi déjà? Souillez les lacs, mêlez. Merde. Agatha. Taper. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? N'avait pas marqué. Mon dragon a souillez les eaux du lac et maudissez ces terres. Ok. Agatha te donne la weed. Bah. Non. Il a shield Sam là-dedans? Ok, intéressant. Comment on fait? J'ai 6 mana. Comme disait James. On fait ça. Non, on commence par ça, on voit ce qu'on a. C'est le calme avant la tempête. Quand la terre bouge, les empires tombent. Never Dragon, ça. Travail terminé. Ok. Bon. C'est chaud, hein? Ah, franchement, les games sont hyper intéressantes avec ce deck, c'est assez incroyable. Je m'amuse beaucoup et en plus de ça, le deck est fort. On est à 8-3 avec pour l'instant, pour rappel pour les gens qui viennent de nous rejoindre. 8 victoires, 3 défaites. Ça va. C'est un score assez honnête, ma foi, qui nous permet de nous maintenir dans le top légende d'Europe. Fort sympathique. Buvons de l'eau. Très important de se déshydrater. Pierre T5 du jeu. Tu as eu là? Ouais. Bah quand tu peux pas le hit, c'est vrai que c'est pas fou. Ça lui donne juste le meilleur baston. En plus ce deck est plutôt cool à regarder. Oh oui, bah en fait il bah, y a plein d'effets aléatoires, vous aimez bien ça. Évidemment. Mais putain, mais il en a combien? Moi j'ai joué 17. Bon, quand je dis 17, j'exagère peut-être un peu, mais vous voyez l'idée. Alors, qu'est-ce que ça dit sur le chat? Désolé, je suis assez concentré. Quoi? C'est quoi ça déjà? Copie tous les dragons dans votre main. Intéressant. Intéressant. Est-ce que je vais full face comme un retard? Et en vrai! Et en vrai! Venons, on se dit! Venons, on se dit! Qu'est-ce qu'on se dit? Venons, on se dit! Si on va full face, on a gagné au prochain tour! 7, 12, 13, 14. Putain, mais il a trop d'HP! Putain, il a 23 d'armure! Tellement désagréable de jouer contre ça! Je peux pas aller full face! Ne soyons pas idiots! Idiots! Je change une carte. C'est chouette. Ah, ça aurait été cool de jouer ça pour le coup. Il a déjà joué un dragon là qui est à exécution. Il a le deuxième? Oh, évidemment qu'il a le deuxième.
Mais arrête arrête de tuer mes trucs, ça suffit maintenant. Mais ça suffit Tu vois pas que t'es désagréable? C'est élémentaire ça. Ah mais non, parce qu'après du coup il va le taper avec ça et ça va pas pouvoir taper. Sinon je peux le geler. Ouais mais c'est juste jouer avec le feu, ça sert à rien. Voilà qui me laisse perplexe. Je vois ce que je récupère déjà avec le truc le moins cher. C'est pas mal ça, c'est pas mal pour le coup là ce qu'on fait. Quel adversaire malhonnête! Incroyable, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Quelle malhonnêteté de la part de notre adversaire de jouer des cartes. Oh, détestable. 6, 9, 14, 19, 21. 6, 9, 14, 19, 20, 21, 18 plus 3. Oh! Nice! On l'a battu! On a battu un Warrior Control! Oh boy! Nice! Le meilleur joueur qui gagne. Je rigole, hein. Je rigole, bien entendu. 56.